On y est, libérant ces vaches et allons capturer le cabriolet, une bonne vente pour toutes. Et c'est tout le monde, ici les gosses la bonne humeur. On se reprend l'épisode donc sur Spy Fox, Opération Milkshake. Et c'est parti pour aller libérer les vaches et arrêter cabriolet une bonne fois pour toutes. Oui, j'en paye une deuxième fois, mais c'est comme ça, c'est parti. Voilà qui fait de vous des vaches libres. Pensez avoir gagné, Spy Fox, mais vous vous trompez. Allez-y, libérez ces vaches. Mais je reviendrai m'occuper de ce monde s'il est... Pas si vite, cabriolet. Ce bouc m'écœure. Pense vite, Spy Fox. La route se termine bientôt. Ceci va m'éjecter droit sur le dirigeable de cabriolet. Eh, ouais! Voilà ce que j'appelle une entrée. Je ferais bien de contacter Capucine Jenny. Spy Fox au poste de commandement mobile. Un instant, s'il vous plaît. Spy Fox, avez-vous trouvé Cabriolet? Je suis à bord du dirigeable dans lequel il s'est échappé. Le professeur Quack dit qu'il peut vous apercevoir sur le radar. Spy Fox, vous ne pouvez pas laisser Cabriolet s'enfuir. Oui, mais... Et l'aventure suivante, alors? Ne vous inquiétez pas. Il y a d'autres super méchants. On n'a pas de soucis à se faire. C'est vrai. Et que dois-je faire quand je l'aurai attrapé? Nous avons déjà établi une prison pour méga méchants mobiles. Capucine Jenny, avez-vous les coordonnées de la prison pour méga méchants? Oui, les coordonnées sont 20 degrés ouest, 10 degrés sud. Il faut que vous ameniez le dirigeable au-dessus de la prison. Je télécharge les coordonnées dans votre montre gadget au cas où vous auriez besoin de les consulter de nouveau. Maintenant, il faut que j'amène ce satané dirigeable jusqu'à cet endroit. Je ferai bien d'aller l'attraper. Bon, on y est enfin, on est sur la fin, et du coup, c'est parti, allons l'arrêter. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ici? Non, bon allez, hop, on monte. Alors... On fait cliquer des trucs. En même temps, regarde. C'est tout? On dirait un moyen de transport entre l'avant et l'arrière du dirigeable de cabriolet. Ok. On dirait que quelqu'un n'a pas terminé son déjeuner. Eh bien, on ne sait jamais quand on peut avoir besoin d'un bout de pain rassis. Un petit casse-croûte en même, hein. Et ça? Un tournevis électrique. Ça peut toujours servir. On risque toujours de tomber sur quelqu'un à qui il faut serrer la vis. Lol. Bon, je crois qu'il n'y a plus rien à faire. On descend. Ça me rappelle mes exploits à haute altitude. Ah oui! Bon, très bien, allez, on y va, c'est parti. On dirait l'entrée avant du dirigeable de cabriolet. Non, il faut que j'aille là-bas. J'espère que ce vieux seau rouillé avec des ailes est encore capable de voler. Thank you.
Ce doit être la salle de contrôle du diabolique dirigeable de Cabriolet. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Je profite de cliquer n'importe où, on sait jamais. J'aurais bien aimé voir la tête de Spy Fox quand je me suis enfui à bord de mon dirigeable métallique. Il dit autre chose aussi? Maintenant, je peux commencer à travailler sur mon plan B de domination laitière mondiale. Maintenant, je peux commencer à travailler sur mon plan B de domination laitière. Ça m'a pris des années pour mettre au point ce rire démoniaque. Bon, très bien. Alors, il y a ça. Les commandes du siège éjectable doivent se trouver ici. Je peux enfin expédier Cabriolet dans la prison pour méga méchant. Ben, du coup, on ouvre avec un tournevis. Tournevis. Ça a marché. Quel appareil intéressant. On dirait le grille-pain de la cafétéria de Spy Corp. Pas faux. Et si je mets un morceau de pain dedans? Un bout de pain devrait faire l'affaire. Je reviendrai m'occuper de ça dans un moment. Bon, voyons voir. Qu'est-ce que c'est ce truc? Alors déjà, 10 sud, 20 ouest. Ok, c'est parti. Un système de navigation. Maintenant, il ne me reste plus qu'à utiliser les coordonnées que m'a communiqué Capucine Genie pour amener cet aéronef au-dessus de la prison pour méga méchant. Alors, je pourrai jeter Cabriolet à sa vraie place. Il ne me reste plus qu'à trouver le moyen d'expédier Cabriolet hors de ce dirigeable et droit dans la prison pour méga méchant. Voilà, alors juste vérifie, autre chose. Non, pas grand chose, ok. Bon, allez. Allez, je fais cuire mon pain, et après, une bonne fois pour toutes, c'est ciao. Mon piège est en place. Je ferais bien de me dépêcher. Le dirigeable change de cap. Désolé, Cabri. J'ai une petite course à faire. Quoi? Spy Fox? J'en sais assez que vous veniez constamment mêler mes plans de domination laitière mondiale. Oui, j'ai tendance à venir ruiner les plans des méchants. Je venais porter un toast à votre réussite avant que vous ne nous quittiez. Dommage qu'il n'y ait eu qu'un seul parachute à bord. Oh, ça a l'air douloureux. Je pense que Cabriolet devra se contenter de la clientèle de la prison pour méga méchants. Sans ce renard enragé, j'aurais mené mon plan à bien. Spy Fox! Vous allez me payer ça. Je reviendrai. Aucune prison ne peut retenir Cabri. Olé! Un peu plus tard. Ici Sébastien Sansfil qui couvre l'événement du jour. Spy Fox a sauvé les nations du globe d'une pénurie de lait proche du désastre. Aujourd'hui, au Capitole, le président rend honneur à Spy Fox, le héros du jour. Nous rejoignons en direct la salle de presse présidentielle où la cérémonie a déjà commencé. Pour un héroïsme et une suavité hors du commun face à un risque de chaos laitier sans précédent, et pour avoir conduit l'abominable cabriolet derrière les barreaux, je vous décerne, Spy Fox, la plus haute récompense du pays. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets le méga cookie d'honneur du Congrès pour votre action en faveur de la justice. Eh bien, merci, monsieur le président. Ce n'était qu'une mission de routine, vraiment. Trois hurrahs pour Spy Fox. J'ai eu mon cookie. Quelqu'un aurait du lait.
Et voilà, on a fini donc la fin numéro 2, mais qui est vraiment, si vous voulez, la plus centrale, mais vraiment aussi là où c'est genre la fin un peu... la troisième en fait. Parce que celle que j'ai fait l'autre, c'est un peu la première, genre si vraiment tu veux se planter comme poireau, mais je prévois quand même de faire la deuxième. Sans ce renard enragé, j'aurais mené mon plan à bien. Mais bon, là, il est en prison, et voilà. Donc là, maintenant, on va pouvoir s'attaquer donc un peu donc sur la... deuxième fin, mais je parle en tout cas spécifiquement sur l'autre histoire. Mais vous le verrez tout ça dans le prochain épisode. Allez, on redémarre. Et on skip tout ça. Blablabla. Et donc du coup, tout ce que je vais faire, c'est un... Bon voilà, on est de retour ici. Alors là, normalement, je pense que ça doit être normalement la troisième fin finale. Alors si jamais j'ai fait au cours un enregistrement particulier... Non, c'est toujours la même. En fait, il y a une autre fête. Enfin, il y a une alternative où si vous n'avez pas en voiture, mais en bateau. Mais rassurez-vous, je l'ai enregistré. Chargé. J'ai enregistré ici. Et du coup, le bateau, il est là. Il est prêt pour une autre vidéo. Donc, c'est déjà la fin. Like, commente, partage, abonne-toi, clique la cloche. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Bon, et moi, je suis là. Un dernier mot à dire. Vous voulez voir mon tatouage? Vous voulez voir mon tatouage? Oh, c'est votre maman qui doit être fière. Bon, allez, ciao!